Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 7h moins 5. Je suis extrêmement à la bourre aujourd'hui. Mais j'avais envie de prendre la caméra et de vous souhaiter bienvenue dans le Vlogmas numéro 8. 8. Alors aujourd'hui, le programme, c'est qu'en gros, là, je dois aller me doucher et me préparer pour aller travailler. Mais normalement, je dois trouver un outfit assez différent aujourd'hui parce que j'ai un événement après le travail. Et la journée, on doit aller faire le setup du magasin de Fashion House de Paul-Louis qui ouvre normalement aujourd'hui ou demain. Donc, voilà, c'est un très très gros planning. Donc en gros, je dois trouver une tenue que je peux utiliser et pour l'événement et pour la soirée. C'est assez chaud. Je vais vous parler un peu de la mode que on va découvrir aujourd'hui plus tard. Mais pour le moment, là en gros, je pense qu'on bouge du bureau à 9h. Et que en gros, bah, du coup, je dois m'habiller dans une façon assez décontractée, mais sans pour... et en même temps étant protégé. Je sais que je dois mettre beaucoup d'écran solaire parce qu'on va dans le produit et que le soleil va me défoncer la peau. Mais je sais pas quoi mettre. Je sais pas si je veux mettre un t-shirt ou une chemise manche courte, bien summer, bien été. Donc du coup, je viens de réfléchir. Je pense que je vais mettre un polo, je pense, qui est un peu entre les deux. Voilà. Donc, hier soir, après avoir fini le vlog, j'étais supposé aller me doucher, mais je me suis endormi. Donc du coup, ce qui explique la raison pour laquelle le t-shirt que j'avais hier pendant la journée est toujours chez moi. Donc voilà. Il faut savoir aussi que on a super bien mangé hier soir. Là, je dois faire mon lunch. Donc, la purée pomme de terre de hier soir, ce qui reste, c'est ce que je vais déjeuner aujourd'hui. Donc du coup, voilà. Je vous reprends dans une quinzaine de minutes quand j'aurai fini de me préparer. Et que... Ouais, j'aurais pris pas à dire en fait. La tenue du jour. Donc du coup, j'ai un polo de chez Fashion House et un pantalon qui est à mon grand-père. Donc c'est un pantalon tout droit, bleu. Donc ça, c'est la tenue. Et là, il y a mon chat qui va sauter. Vas-y. Non? Ok. Et du coup, là, c'est la tenue. Je pense que je vais slick back mes cheveux aujourd'hui parce que... Et voilà! Donc, du coup, je pense que je vais slick back mes cheveux et mettre du gel. Ou peut-être juste slick back le matin et ensuite l'après-midi, quand j'aurai fini au magasin, à ce moment-là, mettre du gel dedans. Je ne sais pas encore, je vais réfléchir. Mais voilà, ça c'est la tenue d'aujourd'hui en gros. Bonjour madame, vous allez bien? Qu'est-ce que vous faites? Regardez là comme elle est belle. Une beauté. Une beauté. Une beauté. Bref. Donc là, je vais faire mes cheveux. Et ensuite, je vous reprends dès que ça c'est fait. C'est bon? Bear in mind que, genre, en gros, là, je suis de... Si vous me voyez regarder tout le temps derrière la caméra, c'est tout le temps parce que je suis en train de regarder le miroir et la réflexion de, genre, à quoi je ressemble dans la caméra. J'ai aussi perdu un ongle, là. Pendant la vidéo d'hier soir, pendant que j'étais en train de faire la séquence où je coupais les pommes de terre, il faut savoir que mon ongle, quand j'ai coupé les pommes de terre, genre le couteau est passé sur mon ongle et l'ongle est tombé dans la casserole. Et que ensuite, ça a bui et que ça a fondu. Donc, même si je voulais coller l'ongle, je ne peux pas parce que l'ongle n'est plus là. Voilà. Appeler mon chauffeur de van, mais ce qu'il va m'attendre, il est toujours pas encore arrivé au pick-up point. Du coup, c'est cool. Normalement, c'est assez drôle parce qu'en fait, il y a deux chemins pour aller à mon pick-up point. Les deux vont au même endroit, ok?
Et le truc, c'est que, genre, ben, normalement, avec mon chauffeur de van, normalement, on essaie de se coordonner pour qu'il me récupère en route. Mais ça arrive jamais. De produits qui va ouvrir bientôt. Donc là, nous sommes au premier étage. Comme vous voyez, le sol a été refait complètement. Et c'est pas derrière moi, il y a les rues de Port-Louis. Voilà, je vais vous montrer le bas dans pas longtemps. Du magasin, il est actuellement 5h20. Je suis toujours bloqué à Port-Louis. Donc ouais, j'ai un événement dans 1h30 et je sais même pas comment est-ce que je vais faire pour y aller. Mais bon, je vais rentrer au bureau. On rentre au bureau à 6h30. Je me change et je crois qu'on va me déposer. Je suis pas sûr, ça manque. Mais ouais, voilà. Regardez mon état. Dès que j'étais frais ce matin. Il est actuellement 6h45. Je suis supposé aller me changer à Jumbo. J'ai un lift. Du coup, là, je vais me changer dans les toilettes de Jumbo. Et ensuite, je vais à l'événement des Sisley. À 7h. Donc, on est à l'événement de Sisley à Saint-Topia. Du coup, voilà. Pour le moment, on attend que les autres arrivent. Il faut commencer. Mais le buffet paraît extrêmement bon. J'ai goûté ce jus-là, là. C'est tellement bon. Donc, on a eu des petits canapés pour manger. Je sais qu'il y a un que je peux pas manger parce qu'il y a des fourmis dedans. Mais après le reste, ça paraît tellement bon. Say hi, hello everybody. Hi. That's the person that invited me tonight. The makeup is stunning. Yes. Are you excited? Yes, super excited because did you know the brand about? No. Okay. I googled it when I found out what the brand was. Yeah. Then I googled their products as well. Salut à tous, il est actuellement 10h30, je suis rentré il y a 25 minutes, j'ai chillé un peu avec Laurent et Damien, et là maintenant je suis au lit, j'ai pris une douche, j'ai passé un super bon moment à l'événement de Sisley, j'ai découvert une mode que je ne connaissais pas, et même Saint-Topia, qui est à Jumbo, je ne connaissais pas du tout, je l'ai passé devant plusieurs fois, mais j'ai découvert. J'ai passé un super bon moment. En tout cas, merci Adiba, si tu passes par là, merci beaucoup de m'avoir invité, ça m'a fait vraiment plaisir. Là, maintenant, je vais aller me coucher, parce que demain, j'ai une très très longue journée. J'espère que ça vous a plu de voir un peu l'envers du déco de nouvelles choses de magasin. Pour ceux qui me demandaient quand est-ce que le magasin de Fashion House de Port-Louis va ouvrir, ben, le magasin ouvre lundi, donc je vais log out et je vous revois demain parce que les vlogs massent tous les jours jusqu'au 24. Bisous, petit message au week-end.